pecho acelerar y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí pa' desahogar en todo este amor. Me tiene loco. Réunion en l'honneur de Camilla. Mais au nom de quoi? Et Astrid et ses parents, qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec Camilla? Max, ne te fâche pas. Parce que si ce toast, cette réunion, est en mon honneur, même si je comprends pas pourquoi, c'est plutôt logique que ma marraine Elda soit bien là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je t'admire autant, ma Camilla. Pour ton intelligence et ton ouverture d'esprit. Si ta marraine, Elda, est ici, c'est parce que c'est la personne qui en sait le plus sur Rosa Blanco. Et c'est d'elle qu'on va parler ce soir. Pourquoi est-ce qu'on parlerait de ma mère? Qu'est-ce que vous savez sur elle? On se croirait dans une télé-réalité. Celle dans laquelle, enfin... On dit à l'orpheline qui est sa maman. Luciano, je crois qu'on n'aurait pas dû sortir si ce soir. Si vous deviez venir, Elda. Parce que ça me semblait injuste que vous continuiez à cacher à Camilla ce que vous savez sur sa mère. Attendez, attendez, attendez. Parce que je comprends pas. Explique-moi. Qui est Rosa Blanco? Eh bien, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est la maman de Camilla. Et qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Pourquoi papa l'a amenée ici pour parler d'elle et de sa mère? Ah, Ézéchiel, je t'en prie, ne fais pas ça ce soir. Ah bon, alors, c'est quoi cette chose si grave que vous savez sur ma mère, qui rend tout le monde muet et vous fait faire des têtes d'enterrement? C'est le moment, Luciano. Hein? Ou tu parles, ou je le fais. Fais bien attention à ce que tu vas dire, papa. Parce que si c'est encore une de tes réunions où tu rabaisses et tu humilies les gens pour te sentir important, alors la décision qu'on va prendre, Camilla et moi... C'est de partir loin d'ici. Non, non, tu partiras seul. Je ne bouge pas d'ici tant qu'aucun de vous ne me dira ce qu'il sait sur ma mère. En fait, ta maladresse aurait été certainement moins blessante si tu m'avais dit « Axel, je t'en prie, entre, prends une chaise, assieds-toi. Tu es un homme merveilleux et c'est pour ça qu'on ne va pas finir ensemble Axel, tous les deux. Axel, excuse-moi, c'est juste que ma journée a été une montagne russe en émotions. Et je te jure que j'ai envie de partir en courant. Et tu sais ce qui t'en empêcherait? Les embrassades d'un homme fort et grand. J'ai des offres spéciales pour mes amies mignonnes. T'es intéressée? Axel. Pourquoi es-tu aussi parfait? Je ne sais pas. J'ai essayé de lutter contre ça, mais je crois que je n'y arrive pas. Tu es adorable, affectueux, attachant. Tu sais vraiment comment traiter une femme? Ah, je sais, je sais. Et tu sais ce qu'on dit de moi? Que mes caresses et ma technique sont infaillibles. Alors quand tu voudras, tu m'appelles et on essaye. Ah, ne te moque pas de moi, car tu me donnes envie de me mettre à pleurer parce que l'homme parfait est amoureux de moi, mais... On dit qu'il faut toujours rester avec l'homme qui vous fait rire... Et pas avec celui qui vous fait pleurer. Arrête de résister et accepte enfin d'être avec moi. Ay,
te déhancher comme un manche à balai. Et va chercher des verres, parce que les invités doivent être sur le point d'arriver. Non, 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 je ne veux pas de verres. On va boire dans des verres en plastique. Parce qu'après que tout le monde parte, c'est moi qui passe la nuit à laver la vaisselle, Sheila. Je vois bien que tu es bien plus feignante qu'un fonctionnaire au travail. Va donc chercher les verres. Tu vois pas qu'ils m'ont coûté une rhinoplastie et deux lipos? Bonsoir, bonsoir, ma chérie. Faites comme chez vous. J'adore ta personnalité. C'est super. Je suis contente que vous soyez ici. Ce soir, on va faire une soirée entre amis. Parce que je ne veux pas finir avec un ventre de femme enceinte. Pas de bêtises. Bon appétit à tous. Mon oncle. J'ai pensé à notre conversation sur Camilla Espino. Et la possibilité qu'elle soit ma sœur. Arrête, comment ce serait possible que cette Camilla puisse être ta sœur? Papa, de quoi il parle? Pourquoi on trinquerait à ça? Pour être franche, moi j'ai soif de réponses. Alors, le grand seigneur Ézéchiel, vous pouvez enfin partager tout ce que vous savez sur ma mère. Pourquoi, alors que tu savais que Camilla cherchait sa mère depuis longtemps, tu gardais ça pour toi pour nous le dire que maintenant? Et ma marraine, et son époux, ont eux aussi leur part de culpabilité, parce qu'ils savaient tout et qu'ils ne m'ont rien dit. Oui, parce que maintenant que je m'en souviens, l'autre jour, cette fameuse Rosa Blanco a appelé chez nous. Elle a parlé avec mon père, et après ça, il était très nerveux et il ne parlait plus. Astrid ! C'est vrai ? C'est très bien. Tout ça devient très intéressant, laisse-moi enregistrer ça. C'est ça, Leandro, sois drôle, comme ça papa sera encore fâché contre toi. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Julia? On n'a rien à voir avec tout ça. On ne sait toujours pas qui est cette prétendue Rosa Blanco. Et qu'a dit Rosa Blanco quand elle a appelé? Eh ben, Rosa, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle voulait me voir. Mais elle m'a dit qu'elle me rappellerait encore, mais elle ne l'a pas fait. Attendez, alors vous êtes en train de me dire qu'elle a appelé pour parler avec vous, mais qu'elle n'a pas parlé. Elle voulait vous voir, mais que vous ne l'avez pas vue. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Arrêtez de mentir! C'est justement pour ça qu'on a cette réunion, Camilla. Pour parler franchement. Pour qu'on dise une bonne fois pour toutes ce qu'a fait Rosa Blanco avant de disparaître. Ah, Axel, il y a beaucoup de choses sur moi que tu ne sais pas. Axel Infante, 32 ans d'âge et toutes ses dents. Ingénieur en chimie de son état. Je suis le vice-président d'une entreprise de communication sur les médicaments. Et je suis disposé à vous aimer, madame. Telle est ma mission. Et le costume militaire, où tu l'as laissé? Ah, tu vois, ça, c'est mon arme secrète. Et puis, tu verras comme les autres femmes seront jalouses. Parce qu'elles diront, regarde, elle sort avec un homme qui la fait toujours rire. Ah, Axel, tu finis toujours par me convaincre. Je ne peux pas parler d'amour avec une personne qui ne m'a même pas dit qui elle était vraiment. Je suis Amelia Aragon de la Rosa, représentante de l'entreprise de cosmétiques Capriccio. Je vis seule parce que je n'aime pas dépendre des autres et encore moins d'un homme. Excellent! Parce que de cette manière, tu ne toucheras pas à mon salaire. Oh, je ne te supporte pas. Pourquoi tu es si comique? Amelia. Toi, comme toutes les femmes indépendantes, tu as besoin d'un homme qui te soutienne, qui prenne soin de toi, qui te protège, qui reste à tes côtés. Et là, c'est pas de chance pour toi. Il se trouve que ça, c'est ma spécialité. Veiller sur toi. Allez, Amelia, laisse-moi t'aimer, d'accord ? Ici, celle qui ne casse pas une assiette et qui est plus sage qu'un homme puceau, c'est notre petit pot de miel. Et elle a même un homme du beau monde. Oh, ne rêve pas, parce qu'il pense déjà à créer une garderie. Ah, Yeli, pense-y bien. Pourquoi tu ne lui offrirais pas un lapin ou un chien? Allez, arrête de dire des bêtises. Quand j'ai vu comment cet homme traite son propre frère, aïe, non, j'ai mis des réserves sur ses spécimens. Ah, chichi, t'exagères. Moi, je trouve ça vraiment super romantique qu'il veuille un enfant. C'est bien plus beau qu'une simple demande en mariage. Ah, Rosario, vraiment que tu es idiote. Fernando est l'homme le plus beau et le plus romantique de l'univers. L'autre jour, il a rempli le patio de mon appartement de fleurs et de bougies. Pour moi, c'est pas beau ça?
Alors ma mère a fait autre chose que m'abandonner avant de disparaître. J'y crois pas. On peut savoir quelle est cette chose apparemment si grave qu'a fait la mère de Camilla pour mériter un cirque pareil? Tu penses que c'est peu de choses si elle est la cause de la dispute entre les Aragon et nous? Ce ragot, c'est du déjà vu. Alors maintenant, il faudrait donner des détails sur comment a commencé cette incroyable guerre. Comment? Quand ça? Et pourquoi? Vous voyez, maintenant ça a un lien avec nous. Racontez alors, parce qu'on est tous intéressés. En vérité, moi je sais rien, parce que elle ne m'a rien raconté. Elle a disparu, voilà. Et vous, vous étiez son amie, Elda? De qui, mon amour? Eh ben, de Rosa Blanco. Ah, bien, je la connaissais, oui, oui, mais juste un petit peu. On tourne en rond, là. C'est des histoires incomplètes. Tout a commencé et est lié à mon frère Léoncio. Ézéchiel, tu es sûr que tu veux tout raconter maintenant? Réfléchis avant. Mon frère Léoncio était un homme bien. Meilleur que moi. Il était seul, un bon gars. Pas très intelligent, plutôt lent, je dirais. Sa seule erreur a été de tomber amoureux de Rosa Blanco. Qui, soit dit au passage, je n'ai jamais vu en face à face. Et en fait, elle sortait avec un autre homme. Une vraie traînée? Faire la cour au frère d'Ézéchiel, alors qu'elle sort avec un autre, elle a agi comme une prostituée. Non, Camilla, arrête. Camilla cherche sa mère. Et d'après ce que nous savons, c'est Rosa Blanco. Et qu'est-ce qu'a à voir cette Rosa Blanco avec Roger? Pourquoi Camilla pourrait être la sœur de mon cousin? Cette femme était une traînée, Fernando. Elle s'est immiscée dans le mariage de Maria, Amelia et d'Augusto. C'est pour ça que cette guerre a commencé. Rosa Blanco et Augusto sortaient ensemble. Cette femme a rendu mon frère complètement fou. Et il voulait même divorcer. Du coup, il est possible que Camilla Espino soit la fille de mon frère Augusto. Même si, au fond de moi, je n'y crois pas. Je me souviens que ma mère souffrait beaucoup et qu'elle pleurait quand mon père sortait de la maison. J'ai quelques souvenirs de lorsqu'ils se disputaient et de comment c'était quand ils se sont séparés. Ok, mais il y a quelque chose qui colle pas. Je comprends que mon oncle ait pu avoir une aventure avec Rosa Blanco, mais qu'est-ce qu'ont à voir les Lopez Mendez dans tout ça? Cette femme avait très mauvaise réputation parce qu'elle sortait avec Augusto et avec Leoncio Lopez Mendez en même temps. Rosa Blanco avait deux amants en même temps. Ah mon Dieu, ce garçon est devenu fou. Sarah, Julia est là. Ah, je vous en prie, jeune homme, partez. Vous savez, on va avoir de graves problèmes. Si Santiago vous voit, il vous tuera. Sarah, dites à Julia que je suis ici, s'il vous plaît. Ou je la cherche directement. Écoutez, là-bas, il y a un dîner avec des invités importants. Ils ne peuvent pas vous voir. Attends, on va arranger ça. Vous allez rester ici. Moi, je vais aller prévenir Julia. Mais ne bougez pas et cachez-vous. Ah, merci, merci. Ah, pardon, je suis Sarah, vraiment désolée. Mais pourquoi tu as fait ça? Mademoiselle, excusez-moi. En fait, ça m'a échappé et j'ai perdu l'équilibre. Mais je vais vous accompagner pour vous changer et laver vos vêtements. Hein. Ok. Attention à ne pas te couper. Non. Attention, Sarah. Excusez-moi. Attention. Camilla, ne t'en va pas, ok? Je reviens de suite. Viens ici. Ah, je comprends mieux, Sarah. Merci, mais c'est de la folie, Gregorio. Je t'ai préparé une surprise. Mon père, Octavia ou Chelso peuvent venir et te voir. Ils sont juste à côté. Pourquoi tu me fais ça, bon sang? Alors on s'en va rapidement. Là-bas, il y a ma famille qui mange et ils racontent une histoire très importante. Mais c'est beaucoup plus important ce que j'ai à te dire, Julia. Écoutez, Julia, je peux dire à votre père que vous avez mal à l'estomac, mais sortez-le d'ici. Pourquoi? C'est toujours moi qui dois être en danger à cause de tes actions mal organisées, hein? Quand on improvise les choses, il se passe toujours quelque chose de mal et j'aime pas. Cette fois, ce sera pas le cas. Fais-moi confiance. Comment c'est possible que ma mère ait pu faire la cour à votre frère tout en sortant avec un autre homme? Rosa Blanco était une opportuniste.
Elle est seulement sortie avec mon frère pour lui soutirer de l'argent. Elle ne l'a jamais aimé. Il était amoureux et elle l'a utilisé. Attention, papa, attention. Même si on ne la connaît pas, tu parles de la mère de ma fiancée. Et je ne te laisserai pas lui manquer de respect comme ça. Camilla, je sais que pour toi, tout ça est difficile. Mais écoute-moi, s'il te plaît. C'est crucial pour que tu comprennes tout ce qui s'est passé. Papa, mais pourquoi tu nous as jamais parlé de notre oncle ? Parce que jusqu'à maintenant, c'est un sujet trop douloureux pour moi. Mais comme tu m'intéresses vraiment, Camilla, je suis prêt à tout vous raconter ce soir. On va garder ça. Allô ? Esperanza. Esperanza, je sais, mais... Alors, de quoi s'agit-il encore cette fois ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu as ? Pardonnez-moi, mais je vais vous laisser seule, ma mère, parce que je vois que c'est grave. Vous m'appellerez quand vous serez prête à continuer. Merci. Esperanza. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin d'être avec toi. J'ai besoin de t'aider. Ils sont restés sans lumière pendant toute la soirée, mon amour. J'ai fermé pour Rosario. Je ne suis pas une mauvaise joueuse, Chichi. Arrête de te fatiguer et on va continuer à jouer. Tila, t'es vraiment forte avec une sœur dépassée par sa stupidité. Un chat de gouttière aurait un meilleur futur. Tu vois, Tila? Et comment ça se passe avec Moses? J'ai entendu dire qu'il s'était acheté des gélules. Ah oui, Lali. Il est venu me faire une surprise. Et alors, l'émotion que j'ai ressentie. Mais ensuite, bien sûr, je me suis rappelée que ces gélules enlèvent pas mal de choses, ma belle. Et notamment les sentiments. Et alors, Tila? Tu vois pas combien la science est avancée? Cette gélule sert pour ce à quoi elle doit servir. Pour t'enlever ton amertume et cette tête de chien battu. Oui, Rosario, mais qu'importe le problème. Si cet homme fait un infarctus en plein acte, c'est moi qui vais mourir. C'est moi qui vais mourir. Je regrette, mais il est hors de question de noyer sa tristesse dans l'alcool. Non, donne-le-moi. Donne-moi. Tu ne comprends pas, Axel. Ce jeu est très intéressant, mais ce n'est pas ce que je veux. J'ai besoin de m'oublier, d'oublier tout le monde. En fait, je veux noyer mes peines dans l'alcool pour oublier tout ce qui m'arrive. Parce que j'ai l'homme le plus parfait qui veut s'installer dans ma vie pour toujours. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas t'aimer. C'est justement pour ça que je suis restée. Tu as besoin d'exploser et de sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, je veux t'écouter. Ne me demande pas de te laisser seule, parce que ce soir, tu as besoin de ma compagnie. Pourquoi tu es aussi parfait ? Je t'en prie, donne-moi la bouteille avant que je finisse par faire sortir le monstre qu'il y a en moi. Donne-la-moi. J'ai une meilleure idée. On va boire ensemble, et c'est moi qui vais te servir. Comme ça, si on finit complètement sous, au moins on sera ensemble. Oui, très bien. Je trouve ça parfait. Excellente idée. Mais j'ai déjà pris de l'avance, alors dépêche-toi. Dites-moi, Ézéchiel, qui était cet autre homme avec qui sortait ma mère pendant qu'elle faisait la cour à votre frère? Cet autre homme était Augusto, le frère de Fausto Aragon. Apparemment, ils étaient amants. Non, c'est pas possible. Vous êtes sûr de ça? Non pas parce que je doute de vous, mais parce que je crois pas que ma mère aurait été capable de faire une chose pareille. C'est fini, Camilla. On s'en va. On n'a pas à écouter comment ils insultent ta mère. Non, mais pourquoi? C'est justement maintenant que c'est intéressant. Parce que j'imagine qu'il va nous donner des détails juteux sur comment la sorcière Rosa Blanco a détruit deux familles. Oh mon Dieu. Dis-moi, pourquoi tu cherches une femme qui t'a abandonnée? Pour qu'elle me dise pourquoi elle m'a laissée. Je mérite bien une explication, non? Oh, mais quelle autre explication? Si ce n'est tout faire pour que deux familles se détestent jusqu'à la mort, pour en tirer un avantage. C'est pour ça qu'elle t'a abandonnée, Camilla.
Elle t'a abandonné dans la rue parce que tu es exactement comme ça de moins que rien. Si tu recommences à insulter ma mère, je t'assure, je vais te... Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Insulte, fais-moi plaisir et respecte les autres. C'est bon. On a passé toute la soirée à parler et à discuter de la mère de Camilla. Et ce n'est que maintenant qu'on touche un point qui est vraiment important à la lumière de toutes les choses qui ont été dites. Mmh. Et ce point est... Qui est ton père, Camilla? Qu'est-ce que tu fais? Parce que si ta mère est Rosa Blanco et qu'elle avait une relation avec le frère d'Ézéchiel, alors ça veut dire qu'Ézéchiel est ton oncle et que t'es la cousine de Max. Elle peut très bien être ma nièce, tout comme celle d'Ézéchiel. Il n'y a qu'une seule manière de savoir si cette femme est une Aragone de la Rosa. On peut faire un test ADN pour le comparer à celui de Roger. Moi, en tout cas, tout ça me perturbe vraiment. Pour moi, ma famille directe, c'était ma mère, mon père et mon frère Marco. Que cette femme apparaisse maintenant dans ma vie, ça me perturbe. Je ne sais pas quoi. Roger, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. J'ai déjà dit que Camilla Espino n'est pas du tout une Aragone de la Rosa. Nous n'avons aucunement besoin d'un nouveau membre dans la famille. Alors on continue à mener notre vie exactement comme nous le faisons maintenant. Avec des sabotages, des assassinats et des séquestrations? Non, Fausto, ce n'est pas notre vie. Écoute bien, cette nouvelle ne te plaît peut-être pas du tout. Mais si cette jeune femme est bien la sœur de Roger, alors Camilla Espino est ta nièce. Tu parles avec beaucoup d'assurance pour quelqu'un qui dit n'importe quoi. Je me souviens parfaitement que Maria Amelia m'avait dit que lorsqu'elle avait rencontré Rosa Blanco, elle était déjà enceinte. Oui, je sais, Fausto. J'ai moi-même parlé plusieurs fois à Maria Amelia de cette histoire. Elle m'a dit que Rosa Blanco voulait faire croire que l'enfant était d'Augusto, mais elle le disait parce qu'elle était blessée, folle de rage. Et toi, tu crois vraiment que cette femme est ma sœur, dis-moi? Roger, je ne le crois pas, je le sais. Mais si cette femme était vraiment une traînée, et qu'elle a été capable de tromper deux hommes en même temps, pourquoi cette grossesse ne serait pas d'un troisième homme? Ou alors tu connaissais très bien Rosa Blanco, au point d'être certaine de ce que tu dis, maman? Oui, je la connaissais bien. Je suis allée en personne lui parler pour qu'elle laisse tranquille Augusto. Mais elle m'a dit que lorsqu'elle l'avait rencontré, il était déjà divorcé. Non, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Eh bien alors, je n'avais pas idée que tu en savais autant sur la vie de Rosa Blanco. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ça? Max, moi, une Lopez Mendez? Je crois qu'il est encore sans aide. Oh, bonne idée. Quoi? Juste au moment où quelque chose joue en ma faveur? Je t'en prie, on s'en va, Astrid. Ézéchiel, merci pour tout. On regrette de ne pas avoir été d'une grande utilité. Merci, à très bientôt. Bonne soirée. Astrid, on est bien, on s'en va. C'est honteux. On s'en va. Ézéchiel, tu ne trouves pas que Julia met beaucoup de temps? Je devrais aller voir. Ne sois pas mal poli, Chelsea. Tu vois pas qu'on est au milieu d'une discussion plus importante? Ézéchiel, allez, dites-moi au moins comment a commencé cette guerre? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'a bien pu faire ma mère? Tu veux savoir ce qui s'est passé? Augusto a tué mon oncle Leoncio. Et mon père est allé tuer Augusto, c'est tout. C'est fini, Camilla, on s'en va. Allez, c'est suffisant pour ce soir. Fiston, tu ne perds pas une occasion pour me balancer ça en pleine face dès que tu peux. Comment oses-tu te plaindre de quoi que ce soit, papa? Tu crois que je ne sais pas pourquoi tu as monté tout ce cirque? Tu voulais éviter la possibilité que Camilla soit ta nièce, pour la courtiser en toute liberté. Mais je ne sais pas si tu te rends compte que ça s'est retourné contre toi. Mais tu crois que ça l'intéresse de savoir comment est mort Augusto et Leoncio? Non, tout le monde sait que ces morts sont dues à Rosa Blanco. Et si Rosa Blanco réapparaissait, il y aurait plus de morts. J'ai organisé un dîner pour nous deux, et tu pourras me demander ce que tu voudras. Mais maintenant, on s'en va. Ils doivent se demander pourquoi tu tardes autant. C'est vrai, Julia. Décidez-vous enfin. Chelsea arrive. Promis, la prochaine fois, on fera comme tu voudras. Mais cette fois-ci, ne me remballe pas, je t'en prie. Où est Julia?
Elle est montée se coucher. Elle est indisposée. Et où elle est, sa chambre? Pardon? Excusez-moi, mais je ne peux pas donner ce type d'information, monsieur. En plus, Julia a très mal au ventre. Vous savez, des choses de femme. Ah non, j'adore! Ici, on a joué et on s'est bien amusé avec les hommes. Mais Rosario, elle est plus muette qu'un mime qui a perdu sa langue. C'est vrai, ça? Tu nous as pas encore parlé de Xavier depuis le début de la soirée. Raconte-nous, comment c'était votre dernière sortie? Ah bon, je ne voulais rien dire pour que vous ne vous sentiez pas mal. Mais Xavier est 1 million de fois mieux que les types avec lesquels vous sortez. T'es folle, quel fantasme! Attends, dis-moi comment il embrasse. Parce qu'un homme peut te mentir tant qu'il n'a rien à perdre. Mais s'il embrasse mal, mon amour, il faut fermer la porte et éteindre la lumière, ma belle. Les baisers qu'il m'a donnés sont les meilleurs de ma vie. Il m'arrache les lèvres, pas trop fort, ni trop doucement. Il utilise la langue, mais pas tout le temps. Et c'est pas du genre à te baver jusqu'aux oreilles. Ah, mais tu es une menteuse, Rosario. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pire que les prévisions météo, ma belle. Tu m'avais raconté qu'il ne t'avait même pas embrassée sur la joue. D'accord, mais c'est comme ça que je me l'imagine. Ah, mais fais attention, enfin, oups, regarde ce que tu fais. Tu as pas su. Oh, j'adore. T'es trop saoule, Sheila. Qu'est-ce que vous faites ici? Non, qu'est-ce que tu fais ici? Oui, Axel, mais tu me laisses l'avantage parce que tu n'es pas ivre ni désespéré. C'est la vérité. Je suis ni bourré ni désespéré. Je suis seulement amoureux de toi. Mais pas de panique, parce que le désespoir, j'ai appris à le tuer avec ce genre de chanson-là. Le désespoir dans lequel tu m'as laissé. Viens, danse avec moi. Amélia, je suis fou amoureux de toi. Je te jure que je vais te faire oublier une bonne fois pour toutes ce Sébastien. Oh. Excuse-moi. Je n'aurais pas dû en parler. Oh, je suis fatiguée. J'ai sommeil. Bon, bien, alors je vais rester là à veiller sur toi. N'abuse pas de moi. N'abuse pas de moi. Je ne savais pas que tu avais eu autant de contacts avec Rosa Blanco. Tu ne m'avais pourtant rien dit. Qu'est-ce que tu sais et que je ne sais pas? Et pourquoi ça te surprend tellement que je connaisse cette femme? Je ne sais pas. Je ne la connais pas et je pensais, toi non plus. Mais bien sûr que tu la connais, Fausto. Et tu la connais parfaitement. Parce que tu vois, c'est toi qui l'as dénoncée à la police et elle a été accusée de la mort de Leoncio. Alors qu'en fait, celui qui l'avait tuée, c'était toi. Tu vas te taire. Tu as intérêt à ne jamais répéter cela et encore moins devant mes enfants. Je n'ai jamais tué personne. Je ne suis pas un assassin. Est-ce clair? Tu n'as pas dit un mot pendant toute la route. Mais qu'est-ce que je pouvais dire, Max? Ton père m'a quand même invité chez lui pour insulter ma mère. Et moi, je pouvais pas la défendre parce que je savais pas si tout ce qu'il disait était vrai. Et le pire dans tout ça, c'est que cette idiote d'Astrid la traitait de traîner toutes les secondes. J'avais vraiment envie de la tabasser. Ne fais pas attention. Laisse le temps à ta mère d'expliquer ce qui s'est passé vraiment. Quand elle reviendra, bien sûr. Et le pire, encore une fois, c'est que maintenant, je suis curieuse. Je veux en savoir plus. Et si j'allais parler avec Fausto? Si tu parles avec Fausto, il va te donner sa propre version de l'histoire. Elle sera à l'opposé de celle que tu connais. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ton père pourrait être mon oncle et toi mon cousin. Oui, c'est justement ce que voulait mon père, tu l'as pas vu? Il voulait éclaircir la situation, mais... Oui, je sais quelle était son intention, je suis pas idiote, Max. Mais si c'était vrai que ton père est mon oncle et toi, mon cousin... Arrête, ne dis pas ça. Il faut pas y penser maintenant. Max,
C'est une réalité, et tu le sais bien. Tout comme il existe aussi la possibilité que Fausto soit mon oncle, et que moi je sois une Aragone. Il vaut mieux qu'on se voit demain. Je suis fatiguée, là. Tu vois que ça en valait le coup. Julia, on s'en va aux États-Unis. J'ai plusieurs amis là-bas, et certainement que toi aussi. Quoi ? T'es devenu complètement fou ? Gregorio, tu me demandes d'abandonner tout. Ma vie, mon travail, ma famille. Alors que malgré tous leurs défauts, je les aime. Tout ça pour aller se cacher, comme si on était des délinquants. Julia, je t'aime. Et moi aussi. Mais ne me demande pas de me jeter dans le vide sans aucune sécurité, c'est n'importe quoi. Une décision pareille, il faut beaucoup y penser. Tu enlèves toute émotion. Et de quoi on va vivre ? Comment sera notre vie dans un pays dans lequel on sera toujours des étrangers ? Nos amis peuvent nous aider les premiers jours, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passera quand ils en auront marre ? Tu sais travailler dans quelque chose ? Dis-moi, de quoi est-ce que je peux m'occuper pour pouvoir survivre ? On est jeunes, on est ensemble et on s'aime. D'accord, alors essaye de payer ce dîner avec ça. Pour que tu vois qu'on finira en prison. Parce que ça a l'air très beau. Mais c'est pas comme ça que l'on conquiert le monde. Toi et moi, on ne sait pas ce que c'est que de travailler. La vie va complètement nous détruire. Ça finira très mal. Pourquoi tu commences pas à penser comme un homme plutôt que comme un garçon impulsif ? C'était très facile de retourner la situation avec Camilla. Moi qui voulais lui montrer que je n'étais rien pour elle. Tu as fini par lui mettre dans la tête que je pouvais être son oncle. Tu es arrivé à faire l'inverse de ce que je voulais. J'ai appris avec le meilleur. C'est vrai, Octavia. Je t'ai bien appris. Mais je ne t'ai pas tout enseigné. J'ai encore un ou deux trucs sous le coude. Fais attention. Fais attention à moi. Me menacerais-tu ? Camilla n'est pas ma nièce. Tu n'as aucun moyen de le prouver. Si, j'en ai un. Il faut juste que je retrouve Rosa Blanco. Pour lui demander qui l'a mise enceinte, si c'est ce rat d'Augusto ou mon frère. Elle connaît la vérité. La vérité ? De quelle vérité tu parles, Ézéchiel ? Tu l'as vu ce soir dans les yeux de Camilla. Léoncio lui-même est revenu de sa tombe pour te balancer la vérité. La seule vérité qu'il y a. Il est son père. Et tu es son oncle. Assume-le. Si toi et moi, on veut vraiment être heureux, on ne peut pas penser comme si on était des enfants normaux. Parce que malheureusement, nos familles ne le sont pas. Et c'est pourquoi je veux partir loin avec toi. Et tu trouves pas ça un peu injuste pour moi ? C'est toujours moi qui risque tout, qui abandonne tout, qui doit me forcer et supporter un type qui me dégoûte. Et toi ? Tout ce que tu fais, c'est venir chez moi pour me mettre en danger. Tes cousins m'ont séquestré. Mon père m'a trouvé pratiquement nu seul dans une chambre d'hôtel. Je t'ai demandé pardon et je t'ai tout expliqué. Oui, mais ça n'efface pas cette humiliation que j'ai ressentie. Gregorio, je fais absolument tout pour notre relation, pendant que toi, tu as la tête dans les nuages avec ces idées. Et qu'est-ce que tu veux alors, Julia ? Quelque chose de plus sérieux. Pardonne-moi, Julia, mais il me semble que je n'ai pas les mêmes doutes que toi. Pour moi, la seule femme qui existe, c'est toi. Et oui, tu as raison. On doit penser plus à notre futur. C'est ça qui m'effraie le plus. Qu'à chaque fois, tu ne penses qu'à ta manière. Rebelle, sans conséquences. S'en aller aux États-Unis n'est pas la meilleure des solutions. Et sache que si on n'en trouve pas une, notre relation ne mènera nulle part. Moïse.
Comme t'es un homme, dis-nous ce que tu penses des femmes. Non, mais sérieusement, un homme qui se dit être un homme doit faire tout fonctionner sans devoir tricher avec son corps. Viens. Tiens, Moïse, tiens, bois, mon amour. Mais je ne veux pas boire d'eau. Non, bien sûr que tu veux de l'eau, mon amour. Parce que sinon, dis-moi, avec quoi tu vas avaler la gélule pour repousser ton corps, hein? Mais Chila, tu crois peut-être que c'est comme de la vitamine C? Je vais pas prendre ça devant autant de gens. Ah, mais quel est le problème, Moïsès? Ici, on est tous comme de la famille, pas vrai? En plus, je veux savoir si ça marche ou si ça marche pas. Non, sur ton cœur. Je voulais dire sur ton cœur. Il vaut mieux que je parte. Non, mon amour. Ah. Tu n'iras nulle part, parce que je t'explique. Regarde, ici, tout le monde s'amuse. Et il ne manque plus que toi, Moïsès. Tout le monde s'en va. Allez. Tout le monde s'en va. Allez, on se bouge. Rosario, tu Quelque chose t'est arrivé, mais tu n'es pas Julia. T'aimes ton fiancé, Chalso? Mais enfin, ne sois pas stupide. Je parle de notre futur, Gregorio. Parce que si tu n'as pas pensé à certaines choses, moi, oui. Parce que jusqu'à maintenant, celle qui a vécu la pire partie dans tout ça, c'est moi. Tu es très cérébrale et je suis sur une autre mélodie. Je suis juste passionnée par toi. Alors mûris un peu et concentre-toi. Dis-moi si tu ne m'aimes plus et point. Je comprendrai que maintenant t'es avec Chelso et que... Gregorio, je t'aime et tu m'aimes. C'est pour ça que je suis inquiète qu'on n'arrive pas à avoir une relation qui perdure dans le temps, surtout avec les problèmes qu'on va avoir. Et oui, c'est clair, bien sûr que ça me dérange que tu sois rebelle et que tu ne penses qu'à la passion, parce que ça ne mènera à notre histoire nulle part. Bon, je verrai bien ce que je peux faire pour te faire plaisir. Il faut qu'on trouve une chose qui nous unisse. Que le pouvoir de nos familles ne puisse pas nous séparer. La prochaine fois qu'on se voit, mon amour, convainc-moi, s'il te plaît, qu'on peut enfin imaginer avoir un futur ensemble. Las palabras quedan cortas porque eres indescriptible, flor bonita y susceptible. No me importan tus problemas, qué dilema el que dirán los terceros insensibles. Qué increíble que critiquen porque amor nunca les llega. Esperanza est très malade. Elle est en train de mourir, mon père. Elle m'a appelé pour quasiment me dire au revoir. Quand je vous dis de ne pas désespérer, mère, je veux vous dire qu'il ne faut pas perdre de temps. Partez, allez la retrouver et accompagnez-la dans ses derniers jours. Vous savez, quand elle m'a appelé, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi lui dire. Je me sentais tellement inutile, mon père. Prenez l'autobus et partez la rejoindre. Je vais le faire, mon père. Je vais le faire, Bonsoir. Je vous interromps? Bien sûr que non. Au contraire, monsieur. Dites-moi si je peux vous aider, s'il vous plaît. Bien sûr que vous pouvez. Ma mère, vous devez savoir... si je suis, oui ou non, l'oncle de Camilla. Mais sinon, comment je peux savoir si Camilla est la fille de Leoncio et vous son oncle? C'est impossible que je le sache. Mais vous pouvez vérifier. Vérifier auprès de qui? Appelez Rosa Blanco et demandez-lui. Mais, monsieur... pourquoi est-ce que vous voulez savoir ça, vraiment? Je ne donne pas ce genre de réponse. Vous appelez Rosa Blanco et vous trouvez l'information que je demande. Asseyez-vous, commissaire. Je vous ai demandé de venir car hier nous étions chez Ezequiel López Méndez. Et il s'y est dit des choses très intéressantes. Oui, mais tu ne peux pas répéter ce qui s'y est dit. En plus, moi j'ai déjà tout oublié. C'est nécessaire, parce que si Ezequiel est un assassin, je dois tout faire pour qu'il paie.
Nous parlons de Leoncio López Méndez et de Augusto Aragón de la Rosa. Ils étaient tous les deux amoureux de la même femme. Et cette femme est Rosa Blanco. Mmh. Alors maintenant, plus que jamais, on doit la retrouver et lui demander qu'elle nous raconte ce qu'elle sait. Elle est la témoin de deux crimes. Le dîner d'hier était juste un prétexte de la part de mon père pour dire à Camila qu'il n'était pas son oncle. Bien sûr, parce que Rosa Blanco a une liaison avec Leoncio. Et il reste une possibilité que Leoncio soit le père de Camila et qu'elle soit la nièce d'Ezequiel. Ça ne m'arrange pas, maman, parce que si c'est vrai ça, ça veut dire que Camila et moi, on est cousins. Ezequiel doit être furieux, parce que les choses prennent le chemin inverse. Bien fait pour lui. Maman, tu sais quelque chose que je ne sais pas ? Bien sûr, mais tu sais, pour l'instant, je ne vais rien dire à Ezequiel. Comme ça, il ne courtisera plus Camila. Et il ne pourra pas non plus se marier avec elle. Est-ce que ça veut dire que Camila n'est pas... Non, mon amour. Ne t'inquiète pas. Vous n'êtes pas cousins. Pour l'instant, on va laisser Ezequiel vivre un peu dans l'angoisse. Ah, ah, mon Dieu. Ah, j'ai trop mal à la tête. C'est trop fort. Bonjour. Viens, assieds-toi parce que le petit-déj est servi. Ouh, tu n'es pas parti. Non, je t'ai dit que j'allais veiller sur toi, et c'est exactement ce que j'ai fait avant d'aller me coucher dans ton lit. Non, ne t'inquiète pas, j'ai pas fait ça. Je suis resté ici. C'était impossible de t'allonger dans ta chambre. Je pouvais pas te bouger. Waouh. Prends ça. Ah, que t'es beau, Axel, j'adore. Tu avais vraiment tout calculé, donne-le-moi, s'il te plaît. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis amoureux, je suis encore plus parfait que d'habitude. Et évidemment, je ne t'ai pas touché un cheveu. Mm-hmm. Je le sais, je me souviens de tout. Ah oui ? Et tu te souviens que tu m'as dit qu'on allait avoir une deuxième chance, toi et moi ? J'ai pas dit ça. Mais oui, je me souviens que j'ai ouvert les yeux et que t'étais là-bas, près du meuble. J'allais retourner au lit, mais j'ai préféré rester ici pour prendre soin de toi. C'est pas que je n'aime pas où tu vis, mon amour, mais... Mais j'aimerais que ça soit un peu plus confortable. Non. Non. Je ne franchirai cette porte avec mes valises que lorsqu'on sera mariés comme Dieu le veut. En plus, je vais pas me mettre à vivre au crochet de ta mère. Concernant ma mère, ne t'inquiète pas. La seule chose qui compte pour elle, c'est que tu ne te maries pas avec mon père. D'où est-ce qu'elle sort une pareille histoire ? C'est Octavia qui lui a raconté tous ses mensonges. Mais mon père n'a plus autre chose en tête, car il n'arrête pas de penser que tu es sa nièce. Et tu ne penses pas que ça peut être vrai ? Tu vois pas que si c'est vrai, toi et moi, on pourrait être cousins ? Mais on ne l'est pas. Ma mère m'a déjà tout expliqué. Alors toi et moi, on peut être tranquilles. Pendant que mon père souffre un peu à cause de son insolence. J'ai besoin que tu me déposes quelque part. Okay. Et que tu me laisses seule. Ok ? Voilà. Je viens de faire, à l'instant, un maquillage. Regardez-la, j'ai estompé l'ombre à paupières sur la partie extérieure de l'œil. Oui, c'est parfait, mon amour. Estompe vraiment, parce que sinon on aura l'impression que je me suis pris un coup de poing hier. Attrape le pinceau. Chichi. À bientôt. Eh bien, les détails de ce qui s'est passé hier, ça personne ne le sait, hein. Silence, les filles, silence. Parce que ici, celui qui donne le ton, c'est moi, c'est Chichi, ok. Silence, alors. Ah non, ne me faites pas rire, ça va faire couler mon maquillage. Tu ruines mon maquillage, Julia. Et je disparais dans les coulisses, une fois pour toutes. Esperanza, comment vas-tu ? Comment tu te sens ? Jésus, Sainte Marie, Mère de Dieu, tu n'imagines pas combien j'ai envie d'être avec toi. Et Rosa ? Est-ce qu'elle te tient compagnie ? Est-ce qu'elle est présente ? Elle est ici ? Passe-la moi, s'il te plaît. Rosa. Rosa Blanco. C'est Ezequiel López Méndez. Laissez-moi passer.
Je voudrais parler avec Monsieur Aragon, alors appelez-le et dites-lui que Camilla Espino veut parler avec Mademoiselle, lui. Mademoiselle, calmez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu crois, toi? Tu sais qui est la patronne ici? Laisse-la entrer. C'est parfait. J'espère bien que vous aussi, vous pourrez répondre à toutes les questions que je me pose, madame. Bon, dites-moi. Augusto Aragon est ou n'est-il pas mon père? Acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.